Alors, je me nomme Elver Dick. je suis euh, voix off et narratrice sur le recueil de poèmes titré Paroles poétiques du mage. Alors, Paroles poétiques du mage, c'est d'abord euh, un recueil de poèmes, comme je viens de le dire. C'est un recueil d'écrits qui, euh, qui, qui transmettent euh, de nombreux messages que, qui partent de, de l'engagement à, à l'amour. Aux diverses sensations que l'on peut, peut avoir dans la, dans la vie en général. Et aussi de, je dirais, de non-dits, de sujets tabous, qui sont décrits de façon drôle, mais véridique, que l'auteur que essaie quand même de, de, de faire transparaître dans chacun de ses poèmes. Tout d'abord, je dirais qu'au début, quand on m'a informé que je devais lire des, des poèmes, je me suis dit oh c'est facile, ça va être très facile. Mais après, j'avoue que c'était un peu compliqué. Je ne dirais pas difficile, mais un peu compliqué, parce qu'il fallait faire ressortir beaucoup de choses, euh, que ça parte de, de des émotions, euh, de l'intonation par rapport aux différents textes, mais surtout de l'engagement qu'il devait avoir par rapport à chaque sujet que l'auteur évoquait. Là, c'était un peu plus compliqué. Parce que ce n'était pas comme des histoires qu'on devait juste lire, mais c'était des poèmes. Et donc, il fallait vraiment qu'on ressente l'engagement de, de l'auteur par rapport à chacun des textes. Oh <laughs> D'accord. Le poème que j'ai le plus apprécié, euh, je ne lui pas donné le titre, mais ça parlait d'amour quand même. Au fond, je ne suis pas trop amour-amour, euh, mais bon, sur ce coup, à la fin, ça m'a fait pleurer. Parce que je dirais que, que chacun des poèmes, pour les comprendre, et c'est. Euh, c'est quelque chose que j'ai compris aujourd'hui. Pour comprendre un poème, il faut le lire jusqu'à la fin. Parce que quand on ne le lit pas jusqu'à la fin, on ne comprend pas forcément l'idée de l'auteur derrière le texte. Donc oui, ça parlait d'amour. Je ne donnerai pas le titre, mais je vous laisse apprécier très bientôt. Je sais que le... j'ai pleuré. Oui, ça m'a fait pleurer quand même. Oui. Oh, l'ambiance était bien. Comme d'habitude, hein, vous savez. <laughs> AFC Audio Edit, c'est la famille. Donc euh, quand on vient, on pose, mais à la fois on apprend aussi. On se corrige. Mais surtout, on, on évolue, on évolue. Je dirais que ça fait la, la troisième fois que je pose sur un texte. Les deux premiers, c'était des livres. Euh, le troisième, là, ce sont des poèmes. Mais euh, à, à chacune des lectures que j'ai eu à faire, j'ai appris, je me suis améliorée. Et voilà, cette fois-ci, euh, j'ai fait moins d'erreurs. Oui, des moments, des moments de fou rire. Oui. Même comme tout à l'heure. Hein. Comme tout à l'heure, même M. Guy m'imitait. Non, mais il y avait des moments de fou rire. Il y avait des moments où c'est... Euh, c'est quand je finissais de, de, de lire le texte et que je devais reprendre quand je comprenais ah c'est ce que l'auteur voulait euh, voilà c'était l'histoire qu'il racontait et euh, Madame Chantal disait ah oui c'est maintenant que tu comprends et puis elle avait une expression qu'elle utilisait souvent là oh, j'oublie un peu mais c'est genre euh, ah enfin elle se réveille elle sait de quoi le texte parle maintenant mais non mais c'était bien c'était bien et déjà c'était un peu fatigant aussi parce qu'on commençait euh, à une certaine heure mais euh, voilà je crois qu'on a mis le paquet les moments les plus marquants, je dirais que c'est surtout par rapport à certains textes où il y avait beaucoup d'engagement de, de, de la part du, euh, de l'auteur. Comme je l'ai dit, il y avait des, des non-dits, des sujets tabous qu'on n'évoque pas souvent mais qu'il a essayé d'évoquer, qu'il a évoqué carrément de façon peut-être ironique mais c'est des, des sujets réels on doit, dont on doit parler. Et euh, voilà, je, je trouve qu'il a, qu a eu beaucoup de grands pour, pour évoquer certains sujets. Ceux qui liront et j'espère bien ceux qui écouteront le livre, euh, je suis sûr que euh, sur certains poèmes, ils comprendront l'idée de l'auteur derrière. Et s'ils comprennent, j'espère qu'ils prendront quand même euh, les choses à bras le corps pour euh, pour faire pour qu'il y ait un changement oui, dans la société en général. Il y a beaucoup de conseils aussi dans certains textes. Voilà, il y a beaucoup de conseils euh, euh, que ce soit euh, du côté sentimental que ce soit du, euh, dans la vie en général ou que ce soit euh, quoi euh, dans des résolutions que tout le monde que chacun doit prendre en fait voilà donc en gros il y a beaucoup de choses qu'on qu retient des textes des poèmes de, de l'auteur un conseil ce sera euh, assez court comme conseil mais euh, c'est euh, de continuer comme ça je trouve qu'il est sur la bonne voie qu'il est sur la bonne voie voilà, de continuer comme ça, de continuer à, à dénoncer les choses, à dire ce qu'ils pensent. Et je suis sûre que chacun, même si, on, même si la personne ne le dit pas haut et fort, dans chacun des textes, chacun pourra tirer quelque chose dedans. Je ne sais pas comment le dire, mais il, il faut l'écouter il faut pour, pour, pour savoir ce, ce dont je parle. Mais c'est un, un appel que je lance hein, à, à tous ceux qui euh, écouteront ma voix. C'est un appel que je lance. Allez télécharger l'application sur Play Store, Apple Store. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook, Instagram et puis voilà, achetez nos livres, quoi. Soutenez-nous et surtout soutenez l'auteur parce que le travail qu'il a fait derrière euh, euh, ce recueil-là, le travail qui est fait aussi en background par les euh, par FC Audio Edit et par tous ceux qui euh, qui travaillent pour que euh, voilà que le, le, le recueil soit bon. Voilà, c'est c'est du lourd. Donc allez-y, achetez le livre, écoutez ma voix. Et soutenez FCO du Edit. Voilà. Je le dis haut et fort.